100 balles. Il s'est arrêté de pleuvoir, mais il y a des nuages un peu bizarres. Bon. On verra bien de toute façon. Septième jour. On part assez tard du camping, tant de merde ce matin. On attend qu'il arrête de pleuvoir pour plier bagages et enfin prendre la route. Et allez, première panne. On fait 20 km avant que ma transap se coupe d'un coup en roulant. On se met sur le côté et on commence à checker un peu tout. Batterie, CDI, régulateur de tension, fusible. On trouve pas, c'est la galère. Bon, comment cette panne moto se passe? Eh bien, c'est la merde. Donc là j'ai remonté la moto, donc on a checké la batterie, elle a eu un problème, l'acide tout s'est barré, c'est trop bizarre. Donc on a changé la batterie, au début on pensait que c'était ça, ça démarrait toujours pas. On a regardé les fusibles, on en a vu un qui était cramé au niveau de l'allumage, donc on pensait que c'était ça, on l'a changé, c'est toujours pas ça. Et on a regardé du coup les deux CDI. On a changé deux CDI, c'était pas ça. On a changé le régulateur, c'était pas ça. Donc on voulait regarder au niveau des bougies, parce qu'il y a un problème d'allumage, c'est sûr. Puisque le démarreur se lance tout, on dirait qu'elle veut y aller, mais elle y va pas. Et donc on pense qu'il y a un problème d'allumage, sauf qu'on n'a pas de clé à bougie. Donc là, il y avait un mec qui était en vélo, là, qui s'est arrêté. Trop cool, trop gentil, il s'est démené pour nous trouver quelqu'un. Il a appelé je sais pas combien de coups de fil, un truc de malade. Là, il vient juste de repartir. Du coup, il y a un mec qui va arriver. Avec un plateau pour nous emmener au garage moto le plus proche. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir se réparer, que ce sera pas trop grave, trop cher. Enfin franchement, on pense à un problème d'allumage, un truc à la con, mais on trouve pas, on sait pas d'où ça vient. Bon, dans tout ça, il y a un mec qui s'est arrêté en vélo, il nous a aidé, mais vraiment hyper sympa. Il a passé pas mal de coups de fil pour trouver un garage qui pouvait nous prendre la moto. Il a trouvé un garage, maintenant, restait plus qu'à amener la moto à ce garage. Pas longtemps après, une voiture s'arrête. Un mec, un peu bizarre, il nous a tout de suite demandé si on avait de la monnaie sur nous. Donc on n'avait pas d'argent parce que l'échange de monnaie ici au Pays de Galles, ça coûte super cher, donc on évite de se trimballer avec beaucoup d'argent. Bref, le mec est bizarre, mais il nous dit qu'il a une remorque. Et qui serait prêt à nous emmener la moto au garage. Donc nous on lui dit bah si ça le dérange pas bah ça serait cool de sa part. Et là il nous demande bah combien on est prêt à payer. Et il nous parle d'une somme, il nous dit 15 €. Donc nous tous les deux on se regarde, il y a 10 km pour aller au garage. On se dit ok 15 €, il n'y a pas de problème. Donc on charge la moto et le gars nous fait faire des détours, il nous fait une sorte de visite guidée, mais on n'avait pas du tout la tête à ça, on avait juste qu'une envie, c'est que la moto redémarre pour pouvoir continuer le trip. Une fois arrivé au garage, on décharge la moto. Et là, on peut voir le regard saoulé de Babouliné parce qu'il lui donne les 15 € et le mec il dit non, c'est 50. Sauf que nous, on n'avait pas plus d'argent sur nous. Il nous a dit 15, on a compris 15 tous les deux, donc c'est 15 et basta. Parce qu'au final, c'est bien sympa de nous avoir dépanné, mais bon, aussitôt, on a vu que le mec était un peu bizarre, il nous a demandé de l'argent, on a compris 15 tous les deux, et là, à l'arrivée, il nous demande 50. Parce qu'en plus dans l'histoire il n'y avait que 10 km, donc à ce tarif là on préférait tirer la moto avec une sangle que de donner 50 € à un mec pour nous ramener la moto. Sauf qu'avec cette histoire, le gars est parti super vite et j'avais mon sac dans sa voiture, il est parti avec. Dans ce sac j'avais les GoPro et le drone et quelques papiers. Je suis dégoûté, on a encore perdu un sac. Donc ni une ni deux, Babouliné reprend la Transalp et part en course poursuite pour retrouver le sac et mes affaires. Je croise le gars sur la route, il fait demi-tour aussitôt et voilà, je récupère mon sac.
Donc déjà, une bonne chose de faite. Gros merci à Dams, le propriétaire du garage, qui s'est mis aussitôt sur la moto et ça a été super vite. Donc un gros big up à lui, parce que sans lui, je sais pas comment on aurait fait, on aurait attendu plusieurs jours avant de pouvoir repartir. Bon, le régulateur neuf que j'avais, bah ça allait pas. On a pris la tension, il chauffait, il était à 11 et tout, donc ça allait pas. Bah, l'ancien, il était à 17 lui, ça allait pas non plus. Là, il y a un petit camping qui est là-bas, juste en face du mécano moto là. Bien sympa, bien cool et tout. Heureusement qu'il était là. Et il nous a commandé du coup une batterie. Et puis là, un régulateur d'origine Honda, et ça devra arriver demain. Donc normalement, Inch'Allah, demain on peut reprendre la route, parce qu'aujourd'hui du coup on a fait 20 bornes. Et toutes ces galères, la pluie ce matin, on est parti tard, on a fait 3-4 chemins, pas plus. Et puis après, panne la Transalp. Du coup, normalement on est sauvé demain, on peut reprendre la route. Mais ça nous bouffe un peu nos plans, parce que du coup, pour faire le reste, ça va être un peu chiant. Do you lie awake at night? Are you afraid to turn out the lights? Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Ce matin, mes pièces sont pas arrivées encore, donc on patiente au camping. Babouliner, c'est d'aller chercher prendre l'apéro, c'est une bonne mission. Des petites cahuètes, et puis bah on va attendre. C'est dommage, il fait beau, on peut pas rouler. J'ai prévu de la flotte, mais bon, c'est comme ça, c'est l'aventure. J'ai récupéré la moto en fin d'après-midi vers 17h. On remballe et on décide de partir faire un bout de route pour la fin de journée. Sauf qu'on n'a pas calculé un truc, c'est que là-bas au Pays de Galles, après 18h, aucune station essence n'est ouverte. Tu peux même pas payer en carte bleue parce qu'il n'y a pas de borne, tout est fermé. Et on est tous les deux en réserve, donc super. En plus de ça, on se trouve au nord du Pays de Galles et il n'y a pas énormément de villages ni de villes. Et les stations essence se trouvent à 20 km l'une de l'autre en général, donc ça devient compliqué. On décide de s'arrêter bivouaquer en haut d'une montagne et on verra ça demain.
Normalement, si on descend tout en roue libre, on aura assez d'essence pour aller jusqu'à la station. C'est bon, ça redescend, c'est bon. Allez. 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 Bien, mais bien, j'ai pas fait longtemps. Non, j'ai pas duré longtemps. Hein? J'ai pas duré longtemps. Bah, je vais avancer, je vais tout droit de toute façon, non? Bon. C'était quasiment sûr, c'est Babouliné qui tombe en panne avant moi. J'ai une quinzaine de bornes avant de trouver la station, j'espère que ça va tenir. Bon, ça fait une bonne demi-heure là que je suis tombé en panne. Robin toujours pas revenu. Donc à mon avis, la Max a tombé en panne aussi. Panne pas trop loin de la station, ça va. S'il est tombé archi loin, c'est la merde. Du coup, faut qu'il pousse jusqu'à la station, remplir une bouteille pour mettre dans sa bécane, aller faire le plein de sa bécane, remplir une bouteille pour ma bécane, et après, faut qu'on y aille. Donc, on verra. S'il est pas là dans 10 minutes, c'est quasiment sûr qu'il est tombé en panne. On verra. Peut-être encore un petit espoir. Pas mal à station essence. Bon, c'est enfin reparti. On commence à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que entre la panne, les pièces à attendre, et là le problème d'essence, on a perdu pas mal de jours, sans compter les jours où on a déjà eu les galères avant et on a perdu du temps. Mais je pense qu'on peut peut-être essayer de descendre un peu plus loin. Donc on décide finalement de redescendre par la route et de reprendre un bout de TET une fois en Angleterre parce qu'on a perdu pas mal de temps et on va être en retard pour la reprise du boulot si ça continue. Un peu déçu tout de même de ne pas avoir fini le TET nord du Pays de Galles parce qu'il avait l'air vraiment bien, mais bon, ce n'est que partie remise. On va s'arrêter à Swindon. Ça fait du bien. On reprend le TET de Portsmouth jusqu'à Brighton et ça fait vraiment du bien de remettre les roues dans les chemins parce que depuis 2 jours on prend de la route et franchement on en avait ras le bol.
Oh, celle-là, elle était violente. Ouais, ça va? Un peu niqué la jambe, ça va. En même temps, depuis le début, tu roules comme une pute. Depuis le début, t'as la poignée, elle est soudée comme ça. Tu ralentis pas. Ah la merde. En plus, je le sais, j'ai le volant en bas. Oh, le demi-tour. Oh putain, sensationnel quoi, avec le demi-tour d'enfoiré. Bon, on va repartir. Il est parti faire demi-tour. Oh la gamelle, la glissade d'enfoiré. Il est resté assis tout le long de la glissade en plus. C'est la fin, on est à Brighton et bon, on va retourner vers New Haven tranquillement. Je sais pas trop il y a combien de temps de route, il doit pas y avoir énormément de route. Voilà, c'est la fin du Wall Street. Je vous remercie tous d'avoir suivi, que ce soit sur Insta ou même sur YouTube. Je recommande parce que c'est vraiment une aventure de malade. Là-bas, les gens ils sont super gentils. Les chemins, c'est des trucs de ouf. La météo est capricieuse, mais la beauté du paysage, ça vaut vraiment le détour. Le prochain road trip arrive pour 2023. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vais bientôt communiquer dessus. En tout cas, merci à ceux qui ont continué à me suivre sur ce deuxième road trip, qui étaient là sur le premier, et même aux nouveaux arrivants, ça fait toujours plaisir, les commentaires et tout, c'est juste trop bien. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine.